Salut tout le monde! Bonjour! Nous sommes en mer. Nous sommes en mer. Bienvenue dans cette nouvelle partie de Kingdom Hearts 3. Cette fois-ci, ben... voyageons à travers les îles. Ah, là-bas, on va d'abord aller dans cette petite île et après, on va peut-être aller continuer un peu le jeu. Ah, finalement, tu vas pas visiter toutes les îles. Pendant que Monsieur Atonnerre... Moi, je sais pas. C'est vrai que c'est long, mais... Oui, on le fera aussi, tu sais, on va refaire la revisite, on visitera aussi. Ah! Ça va, plein de choses. Bah, c'est vrai que c'est long, quand même. Du coup, notre bateau s'améliore pas en vitesse. Bon, vu que ça m'attriste un peu. Ah, mais attendez, il faut que je vous tue, sinon je peux pas descendre, moi. Ouais, on a les chasseurs du vent, bon, parfait. Chérie, mais on gagne masse de niveau aussi! Ah, la mer est en danger! Enfin, elle est dangereuse! Alors, allons voir! Pourquoi? Regardez le petit Donald sur son. Sur le pont, il est incroyable. Il y a pas de. Ah. Nous y voilà. C'est l'île de Verdemon. Ah. Oh oh. Là on a un point de sauvegarde ici. Donc on va pouvoir monter. Eh non mais c'est de Keyblade quoi. Ah mince, ils ont donné le bateau fantôme. Je devrais peut-être arrêter de m'attaquer tous les mobs. Sérieux, faut que j'arrête. Arrête de faire ça, c'est bon, arrête. On devrait changer de Keyblade comme ça. Attends, encore la Keyblade de réponse. Parce que j'ai pas changé de Keyblade, je savais pas quoi mettre en troisième. Oui bah je comprends. Attendez, il y a un truc que je veux voir. C'est quoi la différence? Purée! Ah voilà, c'est bien. Alors là, t'es un rouge et là, tu vas avoir un vêtement noir. Ok. Ah, bah voilà, finalement, un Keyblade de réponse, ça est très bien. Hein, voilà. Bon, alors, on va pouvoir continuer de se balader sur l'île. Il paraît qu'on va trouver des ingrédients. Bah oui. Voilà, on a trouvé des ingrédients. Un éclat ressourçant. Ça, le mot qu'il aime bien, lui. Ah, là il doit. Oh, du coup là c'est. C'est un coup à trouver des petits coffres. Waouh! Oh, c'était impressionnant! Il est même pas mort, genre. Ah oui, mais non, mais ça s'est fait pas trop mal, ça va! Ça va, ça lui arrive tous les jours. Il gère. Oh, j'ai plus le magie. Donc là on va descendre et on pourra faire l'attaque piquée sur le truc. Ah, bravo Donald, t'as tué personne. Là. Oh non. Il y a un autre truc. Ah, on peut se téléporter sur les. Ah non. C'est juste qu'il y a un truc sur lequel on peut se téléporter ici. Oh. Ah dommage. Tout le monde dort. Du coup, il y a rien ici. Bah, il y a le coffre à détruire. Et après, c'est vrai que. Oh, attends, je vais aller détruire le corps. Pourquoi est-ce qu'il y a un autre chemin? Ouais, je vais y aller après. Allez, notre petit machin de Mickey là. Super! Laisse-les. Ah! On a gagné un niveau. On a toujours pas gagné d'autres canons. Mais non, mais là voilà, on farme pour le combat. Mais oui! Attends, ah oui, du coup je suis. Non, si ça, là j'y suis allé ici. Ah non, non, ok, ça fait juste une boucle en fait. Y a pas de. Ah, ouais, non, ça c'est. Juste des crabes. Ouais, mais... y'a peut-être un truc au bout. Ouais. Non. Que des crabes. Eh ben dis donc, ils sont durs à arrêter les crabes quand même. Et attention, ce sont les crabes de la déesse de la mer. Ok, il l'avait gelé, lui. Non, mais bon, il n'y a pas... Ah oh, on n'avait pas été, là. J'ai même pas vu ce que ça m'avait donné, mais... J'ai même pas regardé. Désolé. Oh
Attends. Là. Ici. Ah oui. Y a un truc? Je sais pas. Quoi ça? À manger. Des pleurotes du... Ah oh. Ah. Alors, t'es un petit peu trop sur le côté. Mais c'est encore, c'est... Non, ah, c'est carrément oui. Une zone. Mais peut-être tu peux y aller... Mince. En grimpant sur le mur d'abord. Mmh. Voilà. Donc tout ça pour faire joli. Oui, il semblerait que ce soit juste. D'accord. Ce soit juste là pour, effectivement, pour faire joli. T'apprécies un peu les environs, voilà. Tu fais du parcours, mais intéressant. Et donc, hop. Du coup... Bon, bah... Et si je me jette ici, y a un truc. Ah! Ah! Je vois. Il a cru nous avoir, Mickey, avec son emblème, mais il nous a pas vu, parce qu'on n'est pas né de la dernière pluie. Ah, on peut pas se téléporter au bateau. Et là? Oui. Et hop! Ah, tu vas enfin aller à la baie des naufragés. Allez, on y va, les petits amis. Il faut d'abord qu'on se tourne, notre vaisseau est tourné du mauvais côté. Et c'est parti! Déferlement, déferlement! Déferlement. C'est vrai, c'est écrit déferlement. J'avoue, c'est quoi déferlement? C'est rond. Ça fait quoi? Ça permet d'aller plus vite. Ah oui, ça permet d'aller plus vite. On l'avait pas avant, ça, si? Je sais pas. Si ça se trouve, depuis tout ce temps, je me plains qu'on peut pas aller plus vite. On avait déferlement depuis tout ce temps. Je sais pas, j'ai pas le sentiment qu'on avait déferlement. Non, je sais pas, je suis fou peut-être encore. Hein. J'ai encore inventé. Se plaindre de n'importe quoi là. Arrêtez un peu. Hé hey, hé hey. Encore lui. Tu sais abattre tes cartes au bon moment. C'est quand on se bat, Luxord? Oui, force est d'admirer ta rapidité. Mais sache que ton impulsivité ne t'apportera que du chagrin. C'est quand on se bat, Luxord? Pour de vrai. Tu veux pas faire le combat, Luxord, là? Non, tu préfères pas... Il veut pas faire le combat, il sait qu'il perdrait. Mais viens, on fait le combat! Arrêtons avec les bateaux, tout ça, on fait le combat pour de vrai, là! De simili à être humain. Il est parti. Un gros nul. Eh ben, on va faire les combats. Donald, il est à fond. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est à fond. Wow! Les bateaux! Tu lui touches pas du tout. Mais si, j'en ai touché un, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Attends, est-ce que je lui ai fait des dégâts en faisant ça? Oui, normalement. Ah ouais, mais c'est trop bien! On peut pas faire des canons. En fait, c'est ce que j'avais avant, ça, c'est... On fait du corps ah, à corps. Tu veux dire, on a un bateau qui fait du corps à corps, s'il vous plaît. Voilà. Avant, c'était une attaque qui arrivait de temps en temps et maintenant tu peux le faire tout le temps. Ah, j'ai le raz-de-marée. C'est bon. Alors, qui peut prendre un bateau? Oh, lui là, oh, il a envie lui. Oh, et entre les deux et paf, voilà. Ah, vous êtes content, n'est-ce pas hein? Non, mais lui, il est déjà mort, je crois. Ah, lui aussi, il est mort. Je sais pas pourquoi il est aussi loin, mais il est mort. Hop, le bateau deux barres d'un coup. Le bateau qui fait du corps à corps, quoi. C'est incroyable. Ah, ce bateau. C'est le meilleur de tous les bateaux, c'est bon. C'est sûr. Moi, je veux un bateau comme ça plus tard. Un bateau qui fait du corps à corps. Un bateau auto-tamponneur. Bateau tamponneur. Ah. Est-ce que tu peux prendre le warp sans les affronter? Ouais, mais je pense pas. Regardez-le, là, il s'enfuit parce qu'il veut pas le raz-de-marée. Bah, il va l'avoir quand même. Eh oui. C'est dommage, c'est le seul. C'est pas... Aïe. Oh. Ah, il s'est pris un petit coup avant que tu... que tu apparaisses. Et en voilà d'autres. Luxord et ses amis nous ont inventé... Ah mince, je suis dans ton end-by, dans le mauvais sens. En fait. Hop, ils sont derrière toi. Ah, bah, vous êtes arrivé vite. Alors, c'est qui fonce, les bateaux ou toi? Moi qui gagne. Oh, ça leur fait. C'est parce que je les détruis pas, le truc rouge. Mmh. Ah bah là, carrément. Regardez-le, là, le bootleg, bateau de Luxord. Ah, c'est bien une technique de Luxord, ça, de s'enfuir du combat.
Ah, regardez-le, là, il nous jette des 100 coeurs dessus, là. Qu'est-ce qu'il... Ah, ah, il fait la technique de la téléportation, maintenant. Je me demande s'il va te donner des crabes. Alors, où est-ce que vous êtes, là? Ah, canon déchaîné. Canon déchaîné. Ah oui, ça, c'est... Ah oui, ça, c'est... Ah, non, mais lui, là... Oh là 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 là. Tu peux tirer pendant ça? Non. On doit attendre. Oh, attention à ta vie quand même. Ah, il s'est téléporté. C'est un peu heureux quand même. C'est vrai que ce serait pas mal que je fasse des boutons carrés de temps en temps. Hein. Non, moi je fais raz-de-marée sur Luxor. Ah bah ils sont tous morts. Bien joué. Allez hop. Mais il donne tellement de points d'expérience. Purée, par contre, le câble il est emmêlé. Ah là, c'est bon. Ah. Il compte profiter du tumulte pour s'emparer du coffre. Direction la paix des naufragés. Fast. Ah, ça, c'est un joueur de foot. Ah, tu pouvais passer. Ah, on peut pas. Bon, attendez, je veux juste équiper haut. Parce que. À tous les coups, ils me laisseront jamais le temps de le faire donc. Il y a un mog. Ah, en fait, c'est un mog, l'icône rose. Ok. Comment ça, bouin, bouin, bouin. Qu'est-ce qui lui arrive à Donald encore, là? Alors, vous avez pris une cascade en photo, il paraît. Eh ouais. Petit en fait, il y a des coffres. Petit ponceau au garde. Il y a des ingrédients. Des ingrédients, de la nette, hein. Tous ici, tranquille, pas de problème. Ah oui, les îles tropicales, voilà. Meilleur endroit pour faire pousser de la nette. Voilà, j'espère que t'es contente, il nous a donné quoi? Ah oh bah en fait, il nous sait peu. Il nous a donné... les eggnarines. Oh, c'est mignon. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Oh, yep. Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais chaud, mais ça va en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites n'importe quoi là. Bon, on va pouvoir repartir, il y a pas l'air d'avoir de trucs ici. Juste pour se préparer avant le combat. Oh. Alors, apparemment, tu vas aller quelque part, et mais voilà. Il n'y a rien. Et si, on y va, alors. Regarde. On va aller voir Luxor, là, on va faire le combat contre Luxor. Mais bon. Tu as déjà affronté Luxor. Gros... Mais non, mais là, moi, je veux l'affronter corps à corps. Lui, contre mais moi. Mais il se laisse pas faire. Ouais, bah, c'est parce qu'il sait qu'il a déjà il perdu. Te fuir. Il sait déjà qu'il a perdu. Après, une fois. Après, à la fin, tu feras les 13 membres de l'organisation. D'affilée, genre. Ensemble. Parce que sinon, ils ont aucune chance, alors du coup, ils y vont ensemble. Mais c'est pas grave, parce qu'on aura recu Aqua et Kairi et Axel avec nous, hein, ça m'aide bien. Là, ça c'est les pirates. Eh oui, William. T'as triché, alors t'as perdu. Fallait pas mentir, William. T'es un menteur. Ça va, les amis? Sora. Quelle joie de vous revoir ici. Ah bah on ressent la joie chez William tout le temps au niveau de son visage. Nous étions tous inquiets pour vous. Oh, crabe. Est-ce que c'est... Où sont Jack et Tia Diama? Je crains que vous n'ayez raté pas mal de choses en votre absence. Jack. Il a été emmené par Cutler Beckett. Oui, et Beckett commande David Jones et le Hollandais volant. Barbossa pensait qu'on pourrait les battre en libérant Calypso, la déesse des mers, qui n'est autre que Tia Dalma, prisonnière de sa force humaine. Mais ça n'a pas marché. Cette capricieuse déesse de Calypso. Bah, on fait quoi maintenant? Rien, nous n'avons plus aucun espoir. En plus, comment ils annoncent ça? Tout le pouvoir des mers dont tu as toujours rêvé seront tiens. Tia Dalma était Calypso. C'est elle qui nous a aidés.
En tout cas, ils disent « Oh, Jack s'est fait avoir !» La faute à qui? Je crois qu'elle peut encore nous aider. Mais c'est pas les bras, on peut tous se battre ensemble. La mer est à tout le monde. Mais moi qui n'ai rien compris. Ah bon? Ben ouais. Avec toi, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Quoi, c'est vrai? Regardez-le, il boude. Oh, il est pas content. Oh, le Donald, il est pas content. Ah, oh, regarde, c'est Kips. Il est apparu deux frames à chaque fois, mais c'est pas grave. Ce n'est pas terminé, il nous reste encore de l'espoir. Après tout, le gros nuage gris en haut, oui, nous indique effectivement que... Vous tous, écoutez-moi. Écoutez! Pas s'énerver comme ça, c'est pas grave. Nos frères attendent que nous lancions l'offensive, que le Black Pearl les guide. Et que vont-ils voir? La liberté des hommes libres. Nos ennemis verront les éclairs de nos canons et ils entendront le fracas de nos sabres. Ils sauront que nous sommes capables de tout au moment de leur défaite. Chers amis, hissez nos couleurs. Voilà, comme ils ont dit. Ouais. Mais vous allez pas retourner sur votre bateau quand même? Trop bien, il pleut. C'est pour montrer que c'est un moment dramatique, il y a des méchants, voilà, regardez, il pleut. C'est l'heure du combat. Est-ce que tu penses que David Jones c'est un sans-cœur? Bah oui. Est-ce qu'il a un simili quelque part, non? Non, justement, c'est pour ça que Vexen, il se demande comment il fait. Bon allez, c'est parti. Le Léviathan contre David Jones. Qui va gagner? C'est nous, bien sûr. Parce que sinon, on peut pas continuer le jeu. Donc. Voilà. Quel suspense. Bon, je dis David Jones, c'est un petit peu un tricheur, quand même. Bon, lui, il peut aller là-dedans, il n'y a pas de problème. Je sais plus, le Kraken il est battu là ou pas? Ben normalement non. Il existe encore du coup le Kraken. Oh, je sais plus, qu'est-ce qui devient le Kraken? Je pensais le voir, pour l'instant on l'a pas vu. Oh, à moins qu'il l'ait tué au moment où ils ont fait sombrer le bateau en même temps? Je sais plus quand est-ce qu'il est le Kraken. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les films. Wow! Luxord, qu'est-ce que tu fais là? Je savais que c'était toi. Non, moi j'ai rien fait. Voilà donc le Hollandais volant. Le cœur dont Jack t'a parlé confirme le truc. Le cœur de David Jones. Il ne sait ce que contient ce coffre. Ben on vient de le dire. S'il est noir, il est pour nous. Point final. Nous on aime bien le noir, c'est tout. On s'en fiche des pis en fait, l'organisation. Oh c'est noir, ok on prend. Pas faux. Mais nos supérieurs m'ont pas daigné nous en parler. Ils ont juste dit que cette boîte contenait de l'espoir. On dirait pas plus. Alors Luxord, vu qu'on porte des vêtements un peu noirs, tu veux pas nous les prendre aussi? C'est trop chaotique pour trouver la boîte. Franchement, Sora, il fait un peu partie de nous. Hein. Je devrais peut-être rayer ce navire de la carte. Ah! Finalement, il est là. Le Kraken craquant. Oh. Allez, courage, Barbossa. D'ailleurs, c'est lui qui contrôle le Kraken. Attends, laissez le temps de chercher. Sans la recherche d'espoir. Ouais! Faut qu'on se dépêche! Mais les autres ont besoin de nous. Ouais, je sais. C'est bon, c'est le combat contre le Kraken, celui que tu attendais tant. Oh bah, déjà. Ah, moi je rigole pas. Ouais. Tu peux faire mur d'eau, n'oublie pas. Ouais. Ah mince, ils font des dégâts.
Ah mince, il protège. En plus, tu peux pas passer à travers. Bah, des fois, si, mais. Ah, on a... Visez le Hollandais volant et utilisez triangle force du Léviathan. Hein, il faut que j'attaque le Hollandais, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas le Kraken que je dois tuer? Voilà, c'est bon. Pour avoir ta barre qui se charge. De toute façon, il est où le Hollandais? Derrière toi. Mais je viens de le tuer. Bah alors, c'est bon. Bah maintenant, il est là. Hop, c'est bon, tu as canon déchaîné maintenant. Ouais, mais il faudrait peut-être que j'atteigne le moment où il sort ça. Là, pour le faire, non? Voilà, tu peux pas. Et là. Bon, on va tenter, allez. Ah, ça détruit les tentacules. Oh putain, mais ça lui fait trop mal. Le backpain se fait attaquer par le Hollandais. Sans blague! Qui c'est qui attaque là? Attends, il est en train d'attaquer le Kraken lui aussi? Non, il attaque le Holland, le Black Pearl. Ah, ok. J'avoue, je me demande si tu peux tirer sur le Black Pearl. Ne le fais pas! C'est bon, ça a pas fait ça de dégâts. Ça a pas l'air. Nous, on fait des tirs gentils, tu vois, c'est pour ça. Ah. Oh, ça va le toucher. Ouais, il se fait protéger. Ah, mais par contre, il est en train de me tirer dessus et ça, c'est pas très gentil. Je me demande si c'est un combat en temps limité ou si tu fais. Ça a pas l'air, hein. Bah oui, techniquement. Ah bah oui, par les dégâts. Il faut pas que. Mais non, mais je parle du fait que toi tu peux. Attends, il est là maintenant? Mais je fais ce que je veux dans la mer. C'est bon, tu peux faire canon déchaîné. Le Black Pearl se fait attaquer par le Hollandais volant. Voilà, c'est bon, il y a plus de. Le Kraken se fait attaquer par le Léviathan. Ah, je vois, je vois. Le plus l'ennemi du Kraken, c'est le Léviathan. En même temps, c'est le Léviathan niveau 5 aussi, il est fort. Regardez, Jack. Et la boîte noire. Ah. Tu as eu ce que tu voulais. Jack versus Luxor. Peut-être es-tu le meilleur joueur de nous deux. Mais je dois te demander de me donner ça. Ah, comment? Je crois que tu fais erreur, je ne donnerai rien du tout. Dans ce cas, j'invoque le droit de... Pas de pourparler. Comme tu le vois, on est occupé. Et puis, j'ai eu ce que je voulais. Ah, l'unique point faible de Luxord. Quelqu'un qui fait des meilleures blagues que lui. Ouais, ça marche toujours. Luxord était tellement nul qu'il vient de perdre. En même temps... Ah, franchement, David Jones, le sans-cœur ultime, c'est pas mal si on l'affronte quand même. Personne n'a rien à faire sur le pont, ta place est dans la cale. On arrive, ok, ça va. Voilà, on va pouvoir affronter le sans-cœur. Tu vas affronter David Jones pour de vrai? Bah oui, c'est un sans-cœur. La roue a tourné, mon ami. Oh, il va t'aider. Sûrement pas. Ces asticômes feront bientôt partie de mon équipage. Ah bah ça... Je crois pas, non. Pardon. Ah mince, c'est déjà fini, bon, c'est pas grave, j'ai... Il est où le gros nul? Ah, il est là. Tu lui fais tellement mal. Mince, je voulais changer, mais ça a pas changé. Feu d'artifice pour féliciter Sora d'avoir eu son oh, son bateau. Le pauvre. Il peut rien faire. Sora, c'est le boss. Et en face, David Jones, il se dit, mais c'est quoi ce boss? Je peux rien faire. En plus, c'est des tricheurs, ils sont 4 sur 20. Mais c'est n'importe quoi, ce combat. Ah bah, ça y est, il se met à tricher, lui aussi, là. Il invoque le Kraken pour couler son propre bateau. Ouais, bah écoute, au point où il en est, il se dit, c'est bon. L'âme du blizzard. Et voilà. Bon, peut-être que j'attaque là, il attaquait lui, non? Oh, is. Ouais, bah on va attendre un peu avant de faire oh, is, hein. Oh, attention à toi. Je fais des esquives
Ils se sont même pas, c'est bon, il m'a soigné, Donald. Coup de grâce, vite. Ah oui, c'est vrai, c'est ça le coup de grâce. Bon, je sais pas ce que t'attaques. C'est moi ou on aurait dit que David Jones s'était téléporté dans ton attaque? Bah ouais, on dirait bien. Allez, c'est reparti pour David Jones. Incroyable. Du gros level, David Jones, hein, comme dans le film, il s'est fait avoir comme ça aussi. Ouais, il est parti. Pauvre machin. Wow, c'était magnifique. Ok, il faudrait que j'appelle Ariel, il faudrait que je pense tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Oh, il retriche encore. Et oui, parce que je vais me reposer un peu. Je suis fatigué, là. C'est pas grave, on refait appel aux griffes. Attends, il est là, en fait. Ah, mais il est là, en fait. Bon, bah, ok, bah, il fallait le dire depuis le début, David Jones, au lieu de te cacher, là. Tu vas bientôt pouvoir faire Ariel. Ouais. Allez, moi, je vais te tuer avec Ariel. Est-ce que l'eau, ça fonctionne sur... Yeah. Sur David Jones, aussi dit. Tu peux plonger. Oh, tu fais même de la musique. C'est super joli. Ah, mais oui. Là, c'est mon invocation préférée pour l'instant. Je sais même pas où il est passé. Je sais pas, mais il se prend des dégâts. Donc, oh, c'est super cool. Mais elle est trop jolie, Ariel, comme ça, en plus. Mais oui. Je crois que Sora et Ariel chantent, en fait. Bon, David Jones, t'es parti où? Il est là. Je crois. Non, c'est peut-être... Non, c'est Jack. Non, c'est Dingo qui s'est fait capturer par le Kraken. Alors, du coup, tu sauves ton ami, parce que c'est la moindre des choses. Bon, t'es où? Arrête de te cacher, David Jones, aussi. Il est passé, là? Non, c'était Jack? Ah, mais on fait il du... Il est derrière toi! On fait du ski! Du patin à glace! De la patinoire! On fait de la patinoire! C'est bientôt fini. Oh, oh le choc électrique. Et après tu l'enchaînes. Non mais quelle violence. Ah mais Sora. David Jones, ça y est, t'es battu. Tu te rends? Jamais. Le coffre, remets-le-moi. Jack. Reste en dehors de ça, gamin. Ouais, c'est bon, le Kraken on l'a déjà battu 20 fois là. Et au fait, tu savais que la Keyblade de Sora elle ressemble à un château de glace? Peut-être que si tu la prends en photo, le mec sera convaincu. Bien sûr, j'en doute pas. Ah bon? Bon, qu'est-ce que vous êtes allé là-haut? Ah, en bas il y avait Sora, c'était gênant. Jack il est en mode, c'est bon, j'ai pas besoin d'une deuxième main. D'ailleurs, notre bateau on l'a abandonné. Oui. Et voilà, qui vient ninja les loot? Hop! N'importe quoi! Ah, le gros ninja, mais oui! Oh là là, ça se fait pas, William, t'as rien compris! Eh non, mais toi aussi, hein, t'as rien fait pour l'avoir! Il était déjà chez moi, vous dites n'importe quoi! C'est mon cadeau de boss, justement! Bah ouais, mais c'est lui le mob, donc du coup, il vole pas les cadeaux! Vous pouvez pas avoir mon coffre tant que vous m'avez pas battu! Bah, t'es déjà battu! De toute façon, t'es même pas fort, donc bon. Regardez-le, il a rien fait. Espèce de sorcière. Je ne vais pas t'épargner. Oh, c'est une sorcière tout de suite parce que c'est une fille, c'est ça? C'est pour ça que j'ai pris cette épée. Monsieur, as-tu perdu la mémoire? Je ne suis qu'un pauvre air sans cœur. Tu vois, il a confirmé. Il était un Heartless. Ouais. Mais c'est pas grave, il y a Sora, il peut le battre. Oh, l'amour. Une erreur et une faute grave.
Mais on tranche ces liens si facilement. C'est faux. J'en sais encore peu sur l'amour. Mais je sais que c'est de partager son cœur avec autrui. Ah bah ça, il faudra plus que toi pour briser ce genre de lien. Que c'est un genou dans ton genre sur le cœur. J'étudie ça depuis des années maintenant. Genou, on a bien vu plus de monde que toi. C'est clair. Et alors? Dis-moi, William Turner. As-tu peur de la mort? Et toi? Quelle déception. C'est tout ce qu'ils voulaient dire quand ils ont parlé de cœur? Ouais, franchement, moi je comprends pas. C'était la mauvaise boîte pendant tout ce temps. Je comprends pas, ils parlaient de cœur, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait littéralement un cœur dans la boîte. Tu es d'une cruauté sans pareil, Jack Sparrow. Parce que toi t'es meilleur peut-être. Une cruauté et affaire de perspective. Tu crois ça? Hein? Jack, il est en mode quoi? On peut se... Regarde-moi, Will! Pauvre Donald. Ça y est, Donald est battu. En un coup, comme d'habitude. On en parle du fait que Sora, il a remplacé le père de Will, quand même. Oh non, mon cœur. Chacun son tour. Et hop, il est tombé dans l'eau. Plouf. Faites vite ou nous finirons tous dans l'antre. Au revoir, Barbossa. À une prochaine fois, Barbossa. Jack, on peut pas le sauver? Partie du navire, partie d'équipage. L'autre des volants doit avoir un capitaine. Elisabeth, dites-lui adieu. Oh, c'est bon. Non, je t'abandonnerai pas. Et voilà. Il n'y a plus de bateau. Il n'y a plus de Kraken. Il n'y a plus de Will non plus. Ah, mais je savais qu'il était un peu déjà mort au fond. Le ciel soit loué, Jack. L'armada est toujours là. L'Endeavour va bientôt venir à Tribord et on devrait respecter une des plus anciennes, une de nos traditions. En fait, mes traditions. Allons-y. Incroyable, j'ai perdu. J'ai pas eu le cœur. Ça n'a rien de personnel, Jack. Nothing personnel, qui Jack? Et on va tuer des gens, là, maintenant? Hey! Il est où le bateau de Sora? Il est allé vers une autre plage. Il est sympa le bateau, il se téléporte. Bah oui. S'il y a un point de sauvegarde, c'est bon, il peut aller dans un autre endroit. Ne changez de vêtements! Ouais, voilà. Trop bien, il a changé de vêtements. Là, il va opérer tout seul, Will, parce que là, il a personne pour lui. Incroyable. Ouais, là, c'est de la triche, ils vont dire, vous êtes deux contre un, ça se fait pas. Et il faudrait Goofy qui dit « Fire !» Ah mais Goofy, il est là en plus, pour de vrai. Franchement, c'est pas un bon sort de feu, hein. Ça fait pas ça normalement. Moi je suis pas d'accord, hein. Brasier ça fait pas ça. Bon, franchement en plus la traduction elle a un peu raté. Il fallait écrire brasier. Regarde-le là, il contemple sa vie. Comment il était quand il était plus jeune, tout ça. C'est de bonne guerre. 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 Tu sais, ça se prononce comme ça, non? Guerre.
Même, peut-être même guéré. Je vois, je vois. Ouais, on a battu le chef, du coup tous les autres ils vont plus rien faire parce qu'une fois que le chef est battu, ben c'est bon. Alors en dévoilant, on a besoin d'un capitaine. À peine mariée, voilà que la capitaine Turner et elle doivent vivre dans les mondes séparés. Un jour à terre pour 10 ans en mer, c'est cher payé. Carrosse vous attend, votre altesse. Regarde tous ces personnages que tu n'as jamais vus, mais apparemment ils sont là. Donc, Madame Turner. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont mariés en fait. Oui, mais ils se sont mariés, mais on le sait pas. Mais on le sait, mais pas. On le sait maintenant. Bah bon, voilà, c'est tout ce qui compte. Hein. Le plus important, c'est de le savoir. Tenez, joue pas avec les fils, s'il te plaît. Hein. Les prises électriques, c'est dangereux. Jack, merci. Un jour, je n'ai pas assez de temps. Oh, le cœur a toujours assez de temps pour dire la vérité. Ouais, tu sais mieux que personne. Il suffit d'un instant pour se connecter à ses compères. Ce qui en tient. Ah, bah le voilà, justement. Notre compère. Et je vais les trouver. Je vais trouver. Il va trouver son. Oh! Oh! Ah, bah on a plus de bateau maintenant. Ton bateau crabe. Comment on va faire si on a plus de bateau? Eh ben maintenant, il vous se traverse... reformera à chaque fois que Sora viendra. Vous traversez à la nage, et puis c'est tout, voilà. C'est pas grave de traverser à la nage, c'est voilà, très bien. Voilà, c'était les Caraïbes. C'était les Caraïbes, j'espère que ça t'a plu. Ah, c'était vraiment très c'était, cool. C'était sympa, hein, et franchement. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ah oui, du coup, on a gagné une nouvelle voile, Keyblade. Une nouvelle voile. Une nouvelle voile, hein, tonnerre, t'aimes bien les voiles, toi. Qu'est-ce t'en dis? Il connaît pas les voiles, pourquoi tu dis qu'il aime ça? Tu connais pas les voiles. Ah, Axel! Mais vous avez toujours pas changé de tenue? Ah non. Hey, Axel. Salut Axel! On a une nouvelle tenue. Il faut les mettre maintenant. Eh, hey, sympa ton look. Pourquoi tu le mets pas, toi? Et tu t'es coupé les cheveux. Tu vas essayer la tienne? Non. On verra, peut-être plus tard. Mais tu portes toujours la même chose! Si ça me va, pourquoi changer? C'est comme ça que je me démarque, je me rends inoubliable. C'est sympa. Non, pas vraiment. Notre entraînement se termine bientôt. Ouais. Namine est quelque part en moi. Si on libère Roxas, on pourra la libérer aussi. Ouais, j'imagine. Namine a été créée quand Sora m'a libérée de son cœur. Maintenant qu'elle fait de nouveau partie de moi, j'ai cru que tout allait bien. Mais elle ne peut pas voir cette forêt, ni sentir le vent sur son visage. Rien. Et si c'était le cas, ce serait différent pour elle. Son existence a été courte, mais elle l'a vécue et c'est la sienne. De quel droit ai-je repris ses sentiments et ses expériences? Ne m'appartiennent pas. Rien ne va comme il faut. Que ce soit pour elle ou Roxas. Je sais. Quand j'étais gamin, j'ai rencontré un garçon étrange. On est vite devenus amis. Puis je l'ai plus jamais revu, je l'avais même presque oublié. Ensuite j'ai rencontré Roxas, j'en revenais pas, on dirait son jumeau. Mais je n'ai rien dit à Roxas. Je voulais pas qu'il disparaisse lui aussi. Mais finalement il l'a fait quand même. Oh, c'est trop triste pour lui. Le garçon s'appelait Ventus. C'est un des porteurs de Keyblade disparu qu'on cherche. Je crois qu'il se souvient encore de moi.
Axel, oh oui, comme si c'était hier. Axel, littéralement, ses seules phrases, c'est « Est-ce qu'ils se souviennent de moi? Est-ce que j'arrive à me souvenir ? » Est-ce que tu t'en souviendras ? Tu n'as plus à t'inquiéter tout seul maintenant, Axel. Ah, gentil de remonter le moral de Axel, qui n'arrive pas à se souvenir de mémoriser tout ça, c'est mieux. Pas très il y a un quota, en fait, à chaque fois qu'Axel apparaît, il faut qu'il dise la phrase au moins une fois, sinon c'est pas une véritable apparition d'Axel. Mais il a l'air tout triste, le pauvre petit Axel. Tout le monde... Allez, retour à la plage. Alors, qu'est-ce que fait Aqua cette fois-ci? Visiblement, elle se bat encore contre... Ah non, c'est Riku. Et... Waouh, c'est quoi cette Keyblade? Riku. Oh, c'est plus une Keyblade, j'ai acheté une épée, c'est bon, ça marchera mieux apparemment. Regarde. Et voilà, Mickey s'est fait posséder. Ah mais elle disparaît pas elle par contre. Et voilà. Ah mais oui, il faut montrer le moment où Riku et Mickey vont mal. Mickey pour que Sora puisse aller les sauver. Du monde des ténèbres. Bah oui, sinon on peut pas aller les sauver, ce serait un petit peu triste. Tu penses qu'on peut transformer Mickey en Xehanort? Mickey Xehanort. Oh mon dieu. Et non mais c'est lui le plus effrayant, je pense. Hein. Actuellement, tu veux pas le croiser celui-là, je pense. Pendant ce temps, dans la cité du crépuscule, les ténèbres ont envoyé lui faire je sais pas quoi encore. Ah mais pas que lui, il a aussi amené Ansem. Ah, oh, j'en ai marre, je veux pas revenir ici moi. Ah, heureusement qu'il y a des gens qui sont apparus avec des portails des ténèbres. Franchement, on attend ça. Il était temps. On attend ça depuis des années quand même, hein. Alors peut-être pas des années, mais un petit moment maintenant. Alors voilà, je vais te présenter cette maison. Je la connais déjà. Oh. Ne sois pas sans cœur, c'est moi le sans cœur. What now? Quoi encore? Ouais, hein, c'est juste que cette maison me rappelle des souvenirs d'enfant. Pitié, j'ai fait assez de victimes comme ça. Non, c'est vrai. Tous ces enfants sacrifiés au nom de tes recherches. Alors rachète-toi. Je t'ai dit que je n'avais pas emmené. C'est parce qu'elle a disparu que j'ai mis un terme aux recherches. Mais ça ferait toi quelqu'un de bien? Tu t'es servi de Roxas et Naminé avant de te débarrasser d'eux. J'ai doute qu'il y ait une once d'humanité en toi. Tu l'as pris la fille et tu l'as cachée. Apprends raison, montre-moi les données que tu caches ici. Roxas et Naminé. S'il y a une raison pour laquelle je suis encore en vie, c'est pour expier le mal que je leur ai fait. Ah, il a dit Roxas, c'est bon. Ça veut dire que c'est lui. Ce monsieur a besoin de nous. Et tu trouves la fille, qu'espères-tu qu'il se passera? On va changer les souvenirs de Sora, bien sûr. Cet enfant fait un mystère. Un de concernant le combat entre lumière et ténèbres. Tu sais quelque chose, c'est pour ça que tu as stoppé les expérimentations. Tu as perdu la tête, Xehanort. C'est ce que nous verrons. Allez, va travailler, mon ami. Qui es-tu? Je cherche un de mes amis qui vivait ici autrefois. Personne ne vit ici. Va-t'en. Mais monsieur!
Non, 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 n'avance pas, je t'ai dit de partir. Je déteste les animaux. Ah, mon unique point faible. Oh! Ah, le sang-cœur rigolo, il rigole pas avec. Qui c'est qui va venir les sauver par contre, eux? Quelque chose. Quoi? Eh oui, j'ai envoyé des petits chewing-gums serpents, c'est pas mal. À des reflets. D'accord, oui. C'est les machins de Roxas? Bah non, c'est pas eux. Bah non, je sais, mais... Ils m'ont protégé. Bon, vite. Maintenant, on y va. Bah enfin bon, après, Ansem, le méchant, c'est de la trahison. Oui, mais ici, c'est chez nous. Je comprends ce qu'il se passe. Qu'il en soit ainsi. Il y a des traîtres dans mon organisation. Tout le monde trahit tout le monde, c'est incroyable. L'organisation, c'est des gars, ils sont même pas capables de se tenir entre eux. Genre, ah non, mais moi, j'ai pas envie, hein, non. T'es encore dans les égouts. Il faut aller plus loin, hein, parce que vous êtes pas très très loin, là. Oui. On fait avec. Ouais, je crois. Il connaît les moindres recoins de la cité du crépuscule par cœur. Vous êtes les amis de Roxas. Ouais, vous le connaissez aussi? Ouais, plutôt bien même. Qu'est-ce que ça? C'est ce que j'appelle une piste. C'est la seule preuve qu'on ait que Roxas était notre ami. Parlez-nous de lui, on voudrait mieux le connaître. Mon cher maître, vous êtes sain et sauf. Qui est là? C'est toi qui as envoyé les civils. Eh oui. J'ai été déçu par ce qui s'est passé dans le monde de Pirates des Caraïbes. J'attendais ce moment. J'ai renoncé à une vie normale pour m'infiltrer l'organisation. Pensez pas que c'était moi le traître, hein. Quand j'ai appris que Xehanort était parti vous rechercher, j'ai su que c'était l'occasion de vous trouver aussi. Car moi aussi, je vais me racheter. Ah, Ansem, il est pas sûr, hein. Et moi non plus. C'est difficile de. C'est difficile de. Enfin, admettre... Even, du coup. C'est louche, moi je dis c'est louche. Ah, ça y est, apparemment on arrive ici. Alors je sais pas si cette vidéo va pas être encore coupée en deux. Bah, je sais pas si c'est coupable en deux parce que si c'est une moitié de cinématique et une. Tu vois. Maintenant qu'on atteint niveau 24, un deuxième satellite peut nous accompagner dans nos recherches et ça c'est incroyable. Bon, je ne sais pas, peut-être que cette vidéo va durer extrêmement longtemps, j'en sais rien. En tout cas, c'est la fin de la vidéo pour de vrai. Merci à tous de l'avoir regardé, j'espère que tout ce qui vient de se passer vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine partie, au revoir tout le monde. Bye bye.